Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Donc on est lundi, il est 3h30, j'arrive à l'école, c'est l'heure du smoothie. J'ai un colis de orage, je capote. Mais je pense pas que je vais l'ouvrir maintenant parce que je vais manquer de temps. Je dois boire mon smoothie. Après je vais me changer, après j'aimerais un petit peu ramasser la vaisselle, faire le lit. Ça arrive, quand Francis a le temps de le faire, il le fait, mais il n'a pas eu le temps ce matin. Et j'aime pas vraiment comme partir, mon comme après-travail, puis comme être dans la maison quand mon lit pas fait. C'est comme, ça me crée mal à l'aise. Donc j'aimerais faire ça avant d'aller au spin. Call me crazy if you want, mais gars, c'est ça. C'est ça, donc sinon, deuxième spin avec les trois besties, le trio réuni. J'ai hâte de voir. Cette semaine, j'ai une pleine semaine de spin. Je me sens fofolle. Je pense que je m'ai booké 4 classes. Puis les 4 classes, c'est des instructrices que comme... Ça va être la première fois que je spin. Ah, à moi, je lui dis... Non, je lui dis, je pense avec Kayla, mon habitué, on l'aime. Ce soir, c'est quelqu'un de nouveau. Demain, c'est quelqu'un de nouveau que je dansais avec quand j'étais plus jeune. Je l'aime beaucoup, puis jeudi c'est quelqu'un qu'on connaît, comme qu'on a déjà spiné. Puis samedi, il y a deux instructrices en plus, puis c'est deux nouvelles aussi que j'ai jamais essayé. Donc c'est une grosse semaine de nouveautés, on aime. Mais c'est ça la gang, donc je voulais juste vous dire un petit coucou, je voulais commencer le vlog. Puis on va se parler probablement après le spin. J'aimerais vous montrer mes belles petites chandelles d'amour. Cam m'avait envoyé un message, donc j'ai quand même hâte de voir, mais sa nouvelle collection a l'air débile mentale. C'est genre inspiration, genre comme European Summer, c'est comme la tendance du moment, genre vivre sa best life comme en Europe, hein, c'est comme plaisant, mais ouais. Donc c'est ça, c'est comme des saveurs, comme si je me trompe pas, il y a comme des noms de villes, comme Mykonos est là, après Amalfi, genre je pense que ça va sentir les petits sprays ensoleillés là, genre j'adore. Mais c'est ça, puis en plus son lancement va être le premier, donc pas mal à la fin du weekly vlog, mais c'est ça, donc j'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte de sentir en plus. Je voulais dire pas en plus, je voulais dire comme j'ai plus hâte de sentir que de vous montrer, mais là je vais faire comme un 2 pour 1, vous comprenez? Sinon, c'est ça aujourd'hui, beau soleil, belle journée au travail, puis c'est ça. Donc Molly, t'as-tu quelque chose à dire tout moi chien? Mon petit bébé, as-tu de quoi dire? Ça fait longtemps que t'as pas vu. Oh, regardez-moi la petite queue qui va, elle est toute excitée. Quand je parle comme ça, elle vient folle. Hein, ma petite pitoune? Oh, la petite pitoune, mamie! Donc, c'est ça. Je vous invite à voir. Je vais aller repasser un petit chandail de spin. Je suis un petit peu folle, moi, repasser mes chandails pour aller faire du spin. C'est ben noir, puis tout le monde garde là. Mais regarde, c'est ça que c'est. Je vous laisse et on se parle. Quand j'arrive de spin. Oups. Voici mon beau petit look. Ouf, mes cheveux étaient terribles. Ah, Bobby. Et j'ai chaud. C'était merveilleux. Si vous voulez aller au spin et que vous ne savez pas comme trop qui, là. Pour vrai, toutes les instructrices sont bonnes. Toutes les instructrices sont comme différentes à leur manière. Puis là, c'était la première fois que j'essayais Nat Gagnon et j'ai adoré. Donc, je sais qu'il y en a quand même une couple qui me suivent qui va au spin. Donc, si jamais vous cherchez comme des nouvelles idées avec spinning ou vous vous demandez « Ah, elle est bien bonne parce que, tu sais, on les connaît toutes pas là peut-être. » Puis, pour vrai, on a adoré son énergie. Elle est comme un mélange, comme une coupe que j'ai déjà spinée. Puis, pour vrai, wow! Et à un moment-là, j'avais tellement chaud, j'étais comme « Je vais-tu passer à travers? » I made it. Wow! Donc, c'était parfait. C'était super. Wow! Ça commence tellement bien la semaine, un lundi, là. Genre, je capote. En plus, il fait beau soleil. Mon bébé est parti au golf. C'est tellement comme un beau moment. Comme je m'en venais ici, là. Puis comme j'avais de la grosse musique, comme de... Jérusalem.
En tout cas, c'est de la musique latino. Puis je me disais que je suis tellement contente que comme on se prend des moments pour nous, pour qu'on fasse des choses qu'on aime, tu sais, comme... Puis après, on est à la maison, puis on s'aime ensemble, tu sais, comme... En tout cas, on prend des moments à part pour revenir à la maison, puis être comme... à notre plein, comme, potentiel. J'ai peut-être pas d'allure, mais comme... I'm feeling good. C'est ça le feeling post-spin. Je pourrais vous faire des morales après chaque spin. Wow! Ok, je vais arrêter. Sur ce, la gang, je vais commencer à faire bouillir de l'eau parce que on va manger des blés d'Inde. Puis Francis va bien les manger bien normal, genre avec du beurre. Mais moi, j'ai envie de les faire comme spicy. C'est comme ça avec les genre casse-l'oignon ou comme les recettes qu'on peut voir sur Pin. Là. C'est genre comme des blés d'Inde comme pimpé. C'est comme avec la crème sure ou de la petite mayo épicée ou comme ce que vous voulez là. Avec du feta, il y en a qui met des piments, il y en a qui met des petites épices. Moi, je vais mettre des oignons verts. En tout cas, je vais mettre qu'est-ce que j'ai sous la main. Donc, ça va être pas mal. Blé d'Inde, chip tostitos avec de la salsa. Ça va faire comme un petit souper olé olé. Donc, c'est pas mal ça les plans du soir. Puis après, je vais tout aller arroser nos plantes et tout. Mais ouais, il n'y a rien... Il n'y a pas grand chose de plus, je pense, qui peut mieux commencer un lundi que ça. Donc, sur ce, chin chin d'eau. En plus, à la fin, on a fait un cheers. On a fait un cheers d'eau. Elle est trop cute. En tout cas, j'ai adoré. Je vous laisse et je m'en vais. Chauffer mon eau. Ok, bye. Là, donc, je suis en train de faire mon petit mix pour mettre sur mes blood and. Francis est en train d'en manger des simples, là, des petits tout-nus, là, des normales là, avec du beurre et du sel. Mais moi, je voulais comme spicy un petit peu. Donc, je vais mettre de la crème sur. Après, je me suis fait un mélange que Francis a quasiment tout mangé là, avec des nachos. Mais en tout cas, c'est du feta, des oignons verts. Après, j'ai mis sel, non, pas de sel, du poivre. Après, j'ai mis ail, herbe de PQ, j'ai mis des flocons de piment. Puis, j'ai mis de la farine. Donc, je pense que ça va vraiment être bon. Là, j'ai fait bouillir mes blé d'Inde. Puis là, le mélange, ça aurait été comme dans un barbecue, là. Mais là, on fait la version semaine vite faite. Je vais juste les faire revenir un petit peu dans la poêle. Là. J'aimerais qu'ils viendraient un petit peu comme griller, là, dans le fond. Là. J'ai mis un peu de beurre parce qu'il y a vraiment des potes meilleurs que... des blédins avec du beurre. Mais c'est ça. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Ce soir, c'est le grand soir, la gang. On goûte des Mr. Puff pour la première fois de notre vie. On va peut-être être biaisé parce qu'on les a réchauffés, là, mais c'est pas frais fait, mais ça sent super bon. Ça a l'air comme super comme moelleux. Là. Donc, ça va être notre lunch pour Survivor. Donc, je vais vous apporter des petites fourchettes, puis on vous donnera nos impressions tantôt. Mais en passant, mon maïs était merveilleux. Et pour mon colis de orage, je vais attendre... d'être plus coquette demain. Je vais vous déballer ça en robe. On a écouté Survivor, on a écouté Comment tu m'aimes ou Combien tu m'aimes, comment je pense. En tout cas, c'est une émission qui fait un petit bout là que c'est commencé. Puis on l'écoutait pas vraiment là. Mais là, il y a un couple de ma région. Donc on l'écoutait. Puis je vous reviens sur les Mr. Buff. Pour vrai, c'était très nul. So, je peux juste imaginer, genre, quand ça sort frais, fait, là, j'en dirais comme j'anticipe le goût dans ma bouche. Mais pour des Mr. Puff de réchauffer dans mon air fryer de comme 2 jours, c'était merveilleux. Donc, je peux juste imaginer la vraie expérience. Mes parents m'avaient apporté les Choco Loco, puis les Cinnamon
Cinepuff ou Cinnamon ou je sais pas là, à la cannelle. C'était vraiment bon, donc j'ai fait chauffer les puffs dans le air fryer, puis le chocolat dans le micro-ondes. C'était pas mal bon. Donc sur ça, je m'en vais me laver et je m'en vais me coucher. Donc, on se parle demain! Hello la gang! On se retrouve! Je suis en train de faire mon souper. Je suis en train de nous faire du risotto, même s'il fait quand même chaud dehors. Mais pour les trois prochains jours, il annonce 32. Malaise! J'allais commencer mon petit unboxing et ma caméra flash! Donc, je vais aller charger tout ça et je vous reviens. Non, regarde notre cam. Je me retrouve après mon souper et là je m'en vais au spin avec mes boots bas. Regardez mes boots bas d'Auden. Oups, il y a juste des fleurs d'un côté. Genre, je les trouve trop mignons. J'adore. Et là, je sais, vous allez dire, mon doux mien, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es une femme changée. C'est parce que là, j'aurais pas le choix de faire un unboxing de chandelle habillée comme ça. Regarde, j'ai essayé tantôt de faire ça, toute cute, en petite robe, l'intention était là. Je m'excuse. Mais je suis beaucoup trop excitée, là. J'ai reçu le paquet hier, je l'ai pas ouvert encore. Et c'est une collection, genre, qui me donne des palpitations. Tellement elle m'excite. Donc, Minette, je suis trop contente de te faire découvrir la nouvelle collection estivale. J'espère que tu vas aimer la belle petite cam. Genre, elle est tellement mignonne. Je pense que je vous l'avais dit, mais c'est ça, c'est comme des vibes européennes, Mykonos, genre ma ultimate destination de rêve. Oh my god, Mykonos. Et en plus, c'est elle que j'ai comme pognée en premier. Oh, les petites momoutes ont comme collé dessus. On voit plus le aura. Mais oh my god. Donc, il a Mykonos. Nous avons aussi Amalfi. Genre, ça va tellement être fruité, frais, comme je le sens. Là. Malta. Ooh. On dirait que c'est comme Malta. On dirait, je sais pas comment dire, mais on dirait que c'est comme... Je voulais juste m'assurer. N'est-ce rien? Des fois, il y a des petits biscuits chinois pour me prédire l'avenir. On ne sait pas. Mais bon. Et je vais sortir les petites descriptions. Pour comme pas être foufoule, on va commencer avec Mykonos parce que c'est elle qui m'inspire le plus. Donc, nous avons des notes de melon d'eau, de thé à la pêche, de brise océanique, de freesia, de musc, de cèdre. Genre, je comprends pas où est-ce qu'elle prend toutes ces idées-là, mais je capote. Donc, j'ai juste fait ça puis il y a eu une brise. Oh my god! Non, Cam. J'en veux une grosse comme la boîte, s'il vous plaît. Oh my god! Ça sent tellement, ça sent beaucoup les melons d'eau. Ça sent les petits bonbons aux melons d'eau mélangés avec ceux aux pêches. Oh mon dieu, c'est impossible. Je vous la fais sentir. Fermez-vous les yeux. Mélangez, comme, essayez de vous imaginer un mélange de bonbons. Oh my god, pour vrai, ça doit sentir ça, genre le sunset à Mykonos. Ça sent ça, ça sent le ciel, ça sent... En parlant de sunset, regardez-moi le sunset, ça me fait de la tête. J'ai le sunset de Mykonos ici, direct. Blanche ici, comme les maisons là-bas. Rouge ici, comme le sunset. Ça va pas. Et moi, je brûle tout le temps. Sauf comme la maison, je me mets tout le temps un chapeau, mais genre, je surveille à tous les jours dehors à l'école. Sauf comme. It's giving coup de soleil.
Ici, nous avons Amalfi. Amalfi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Amalfi, il se passe... Où est-ce qu'elle est, la Amalfi, la petite cocotte? Oh, je sais peut-être... Amalfi, c'est-tu la ozone? Ah oui, je pense. Je me mêle peut-être. En tout cas, il y en a une des deux, mais je pense que c'est celle-là. Ozone. Qu'est-ce que de l'ozone? C'est-tu comme un gaz? Non. Cardamome, citron, figue, eau de genévrée. Musc bois. J'en fais pas de la lucarne. Wow. Ah! Oh. Celle-là, elle est... Oh, elle est comme sexy. Genre, ça sent mon homme. Ça sent Francis quand on part en date. Oh my god, mais tout en étant frais, genre. Comme ça... Ça sent l'homme frais, beau, net. Qui vient de se comme brosser les dents aussi, là. Il y a comme un... On dirait de la menthe là-dedans. Oh my god, on dirait que ça m'a titillé, genre. J'ai les jambes qui m'ont fait comme... Crac, croc. Oh my god. This is funky. Oh my god, ça, ça sent bon. Sentez-vous là? Oh, wow. Ok, c'est romantique. Ensuite, la dernière et donc la moindre, Malta. Ici, nous avons du... J'ai été voir comment le prononcer, je sais même pas. En français, on dit du bergamo. C'est impossible. Mais en anglais, c'est bergamot. Bergamot. Des poires de cactus. Wow. Petits grains, coconut, orange, bois de santal, sucre de canne et musc. Wow. Donc, la voici, la voilà. Ah, oh, c'est doux. C'est doux. Je trouve que celle-là, c'est comme un mix des deux-là. Comme Mykonos est super fruitée, comme j'adore. Celle-là est très comme velouté masculine. Et celle-là est comme entre les deux. Oh my god, c'est tellement difficile de savoir c'est quelle ma préférée. Ben clairement, j'ai un coup de cœur pour Mykonos, comme direct dans le cœur. Mais je les aime tout égal pour vrai. Oh my god, ça sentait vraiment bon. Comme pour vrai, je pourrais mettre ma main dans le feu. Je pense à ma collection préférée de Cam. Il y a une chandelle, par exemple, je vais jamais oublier de Cam. Ça fait longtemps, là. Je pense que c'était comme dans une de ses premières. C'était pas Macintosh. J'en rêve encore la nuit. Comme ça, là, c'était pas mal, comme une de mes préfs. Puis j'ai beaucoup... Je l'ai mis de côté parce que je voulais vous en parler. Des fois, j'aime comme quand c'est une nouvelle collection, les autres viennent un petit peu rabais. Pas tout le temps, là, mais je dis juste ça. Aloes et Osmentus. Ça, là, ça sent le frais, mon ami. Ça sent bon. Ça sent... Je l'avais mis là. Mais, wow! En tout cas, tout ça, la gang, ça sort le 1. Donc, le 1er juin. Et, j'ai un petit code, comme tout le temps. Dans la barre info, mais je pense que... Mais pas, je pense, c'est Mylène 15. Oh my god! Donc, sur ce, la gang, je vous laisse. C'est débile, pour vrai. Je vous souhaite de vous gâter. Merci ma belle Cam, je t'envoie plein d'amour. T'es trop fine. Puis en même temps, si vous passez une petite commande, n'oubliez pas, elle a des beaux petits jeux. Moi, je continue encore de répondre à des petites questions. Après les quoi, j'adore. Ça me fait comme un petit comme, me time. Mais wow. J'ai hâte de les brûler. Je capote. Donc, merci. J'espère que vous avez aimé ce petit moment sniffage de chandelle. C'est un petit bout quand même, je n'en ai pas fait. Mais ouais, donc je m'en vais au spin, c'est rare, je pense que c'est la première fois que je vais spinner à 7h30 et j'ai hâte de voir, oh my god, mon pommier est comme en fleur. Oh, c'est magnifique. Mon, ouais, j'ai hâte de voir parce que moi après le spin, j'ai trop d'énergie, puis comme j'ai de la misère à comme me calmer après. So là, à 7h30, je vais peut-être avoir de la misère à dormir. Je vais être comme trop sur mon go. Mais en même temps, ça me donnera peut-être d'énergie pour commencer mon montage de weekend vlog que j'ai pas mis encore, malaise. Donc, je vous aime la gang. On se parle plus tard. Et c'est ça. Bye! Comment vous dire, mais il fait 40 dehors.
Ça paraît peut-être pas parce que je suis belle et fraîche, mais j'arrive de l'école et je suais comme une truie. C'est difficile s'habiller à l'école, je trouve, parce que j'ai toutes les robes d'été comme avec des manches, que comme habituellement, tu sais, c'est correct dehors, mais comme à l'école, c'est pas tant, là, tu sais. Donc, je mets comme un manteau de jeans, c'est pas pire, mais dehors, c'était terrible. Mais je passe à travers, ça va être correct. Mais là, ce soir, je vous avais dit que j'avais des petits plans. Donc, j'ai mis une nouvelle robe. Je me sens toute belle, je me sens toute coquette, festive. Donc, c'est une nouvelle robe du Reed Man. Genre, je l'adore. C'est comme... pas des fleurs. Ben, oui, genre des fleurs comme... watercolor, on dirait. Mon petit bandeau que j'adore. J'ai mis mes grosses boucles d'oreilles de Pilgrim. J'ai pas mis de collier parce qu'il y avait comme des petits froufrous. Et dans mes pieds, j'ai mis mes nouvelles sandales du Pennington. Puis, pourquoi je suis toute belle et fraîche? Parce que je m'en vais chez... Je m'en vais chez Pinocchio. Donc, je m'en vais au Pinocchio. Donc, je m'en vais à Chipaga, Roadie avec mes girls pour la fête. Comment vous la décrire? La belle maman à Anna. Donc, je suis trop contente. À chaque année, elle nous invite à sa fête. Elle est tellement mignonne. Donc, c'est ça. Grosse soirée au Pinocchio avec ses chums de femmes, puis nous autres. Puis, c'est trop cute. Donc, ça fait quelques fois là qu'on fait ça. On avait eu une petite pause depuis la pandémie. On est-tu allé à une fête depuis la pandémie? Je suis pas sûre. On s'en reparlera plus tard. Mais ouais, donc je vais préparer une petite mini carte. Puis je voulais vous montrer les beaux verres hein, parce qu'on les a au pétro. Donc je les trouvais trop beaux. Donc Francis m'a apporté ça tantôt. Donc des beaux verres comme ça. C'est comme peinturé genre à la main. Puis c'est super beau. Donc des beaux tournesols. Puis je sais qu'elle allait me prendre comme des petits drains. Elle pourra prendre ça au bord de sa piscine. Puis je me suis dit que c'est une belle petite pensée, donc je suis certaine qu'elle va être contente. Des beaux petits verres pour la belle Sophie. Donc, elle va peut-être passer ici en plus. Donc, bonjour, bonjour, je te salue. Bonne fête. Là, ça va être en retard, mais au moment présent, ça va avoir été fêté. Donc là, elle va peut-être les voir. Mon sac est trop large. Ben, c'est pas grave. Donc, c'est pas mal tout, la gang. Ça va pas mal être tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer peut-être des clips de ce qu'on mange. Je vais aller chercher un autre papier, puis après, ça va être direction chez Anna Baby. Et j'ai hâte de voir comment va être la drive. Parce que... fait chaud. Puis, Guérette nous a préparé des petites bubblies aux coconuts pour la drive. J'ai hâte de les goûter. On sera peut-être dans un petit taste test. Donc, sur ça, je vous montre mon outfit après dans le miroir. Et je vais aller chercher un autre papier pour ça. À plus tard! Là, j'ai mis mes grosses boucles d'oreilles, comme je vous ai dit, du Pilgrim. Sinon, c'est une nouvelle petite robe du Reedman. Donc, elle est comme avec des petits frilous. Ici, elle a comme un col, hein, comme carré un petit peu plus. Je trouve ça beau. Puis, j'adore le matériel. C'est comme un petit... je sais pas trop comment vous le montrer, là. Deux petites épaisseurs, vraiment légers parce qu'il fait chaud. Puis des mini talons. Et je sais pas si vous voyez mes mollets, comment ils shine. C'est juste une huile coco de Maison Laverne. Et vous voyez-vous la gang? J'ai des gros mollets. Et savez-vous quoi? It's okay to show them. C'est l'été, la gang. Si vous passez l'été à vous cracher les mollets, ça va mal. Moi, je montre mes beaux mollets tout shiny qui spin vite, vite, vite. Woo! Strong muscle! Pour vrai, genre, montrez-vous les genoux, montrez-vous les cuisses, montrez-vous les mollets. Tu sais, comme, vive les mollets, vive la cellulite, on aime! Crazy! What you want me to do? Oh wow, ça va être beau et tout. Moi j'ai pas de mal à l'isère.
Bonjour la gang, on se retrouve pour mon smoothie match avec mon outfit et match avec mes joues, mais on peut pas vraiment les voir. Là, je vais te dire quelque chose, je sais que je vais en bousculer plusieurs. Mais moi, la chaleur, la gang, là, je suis pas capable. Moi, je suis une fille d'automne, j'adore. Comme jusqu'à comme 20, 22, it's okay. Ben comme 36, c'est-tu nécessaire? Non. Mais regarde, c'est un deux jours, c'est correct, là, on retourne à du 9 demain. Dame nature et à vos poils. Donc, aujourd'hui, jour de canicule, faisait tellement chaud à l'école, on a survécu. Et je m'en vais au spin. So, je sais pas si je suis vaillante ou je suis folle, mais on s'en va spinner dans cette chaleur. J'ai dit à Francis vers quel âge j'arrivais. Puis si j'arrivais pas vers cette heure-là, j'ai dit viens me chercher au spin. Je vais peut-être avoir évanoui. Mais sérieux, je suis en train de prendre mon pre-spin smoothie. Puis, je vais aller me changer. Et, c'est ça. Je vais aller au spin avec mes deux girls. Donc, les besties vont être réunies ce soir encore une fois. Hier, yeah, c'était tellement le fun. C'était pour la fête à mon ami, comme je vous avais dit. Donc, Sophie, tu vas bien passer ici. Bonne fête encore. Et ce soir, oh mon amour arrive, je vous laisse. Là, je vous retrouve, j'ai parlé comme vite avant la spin. Je me souviens comme plus trop qu'est-ce que je disais parce que j'ai vu Francis et j'ai perdu mes moyens. Donc, moi, quand je le vois, j'ai les jambes qui font cric, crac, croc. Je l'aime trop. Mais, c'est ça, j'arrive du spin. It was hot. Là, le temps s'est calmé un peu, donc je vais en profiter. Je vais aller dehors un peu sur ma galerie. Je me suis mis une Corona sans alcool dans le frigo. Et si vous les avez jamais essayées, là, comme elles sont tellement bonnes, moi je trouve que ça goûte la vraie genre Corona. Donc, une petite journée de semaine, je trouve que c'est comme plaisant. Un petit jeudi avec le gros soleil, on dirait que c'est comme in the mood pour une petite Corona avec une bonne limette. Mais là, vous venez peut-être de voir le petit clip. Je sais pas si je vous ai expliqué, mais c'est ça, j'ai eu une idée folle. Parce qu'il y a une instructrice qui enseigne le spin. Puis elle a une belle petite compagnie, genre, ça fait un boulot quand même qu'elle a commencé. Mais là, on dirait qu'elle commence à mettre de plus en plus de choses. Elle fait des belles petites choses pour les mariages, des beaux petits soutes pour les bébés. En tout cas, n'importe quelle petite idée, comme genre style cricket, là. Donc, vraiment cute. Puis là, j'avais vu, comme deux semaines passées, qu'elle faisait des tote bags. Là, j'étais comme, oh my god. Mon tote bag est comme semi-vieux, là, que je mettais mes souliers de spin dedans. Puis, c'était un tote bag de Maison Lavande. J'étais comme, on dirait, ça match pas comme avec le spin. J'étais comme, pourquoi pas des tote bags de spin. Puis là, c'était comme cute, je trouve. C'était comme thématique, vu que c'est elle qui faisait ça, là. En tout cas, elle a embarqué dans mon idée, puis... Donc, elle nous a fait des tote bags de spin, la gang. Donc, un vélo... C'est écrit Spin Queen, puis chacun notre nom. Donc, il y a Mylène, Anna, puis j'ai écrit Emily, je pense. Mais ça, j'ai demandé d'écrire Emily, ouais. Parce que c'est ça, c'est son nom de famille. Nous autres, on l'appelle tout le temps Guérette, mais il y en a plusieurs là, qui ont compris. C'est que des fois, quand je dis Emily, ils sont comme « Hein? T'as une autre amie? » C'est la même. Donc, c'est pas mal ça. Puis, c'est trop cute, j'ai hâte de mettre mes souliers dedans, ma bouteille d'eau. Donc, j'ai hâte de l'utiliser. Puis, je l'ai pas ouvert parce que je la trouvais trop mignonne. Je voulais vous montrer comme c'est une petite lavande. Comme, regarde, elle m'a fait une petite carte Spin Queen, Mylène. Puis, regardez là derrière, comme on dirait une invitation de mariage. Comme, c'est la royauté ou quoi. Avec la petite lavande. Elle est tellement mignonne, je l'aime trop. Donc, je vais ouvrir ça. Oui, Molly d'amour. Maman, ça va te mettre dehors. On va aller jouer ensemble. On va aller jouer à dehors ensemble. Puis j'ai la petite carte toute. Regardez comment elle est belle. En plus, elle match avec moi. Oh, t'es trop mignonne, Isa. Oh, merci encore. Trop mignonne. Elle est trop belle. Waouh, t'as une belle main d'écriture, Isa. Si jamais tu passes ici. Waouh, avec le beau du collant, puis tout. Trop beau. Donc, cute au bout. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse
pour probablement ce soir, pour souper, on s'est fait mes nachos genre froid là, que je fais avec de la tzatziki, du feta, des poivrons. Et puis là, j'avais un reste de frites du Pinocchio, puis la salade de betterave. Donc, on s'est fait comme un mix de comme plein de choses. Puis, c'est pas mal ça. Donc, puis ce soir aussi, c'est le lancement de Aura. Donc, je vais aller faire des petites stories avant d'aller dehors. Puis, après dehors, j'aimerais faire un peu de montage. Parce que je suis comme un peu en retard. On dirait que j'ai comme profité de mes soirées. Puis, je me suis dit que les vlogs, ça pourrait attendre un peu. J'espère que vous allez m'aimer pareil. Mais c'est pas mal ça. Donc, je vous laisse, la gang. Demain, c'est vendredi, dernière journée de la semaine. Ça va faire du bien. Puis là, ça va être genre comme le countdown de comme 3 semaines. Genre, il va rester 3 semaines d'école. It's crazy. Donc, je vous laisse et on se parle plus tard. Hello, la gang. On se retrouve. On est le lendemain. Donc, on est vendredi soir. J'arrive de l'épicerie slash de l'école slash de faire un mini ménage. Et j'avais comme oublié, j'étais allée faire l'épicerie, c'est comme j'ai oublié de ranger mes choses. J'arrive à la maison, je voulais genre faire le ménage de la toilette, commencer mes lavages, laver mon linge joli, faire le lit, poser la balayeuse. Et là, j'ai réalisé que mon épicerie était sur l'armoire. Mais c'est pas grave, là, ça fait pas 1000 heures, là, ça fait peut-être max 1 heure, là. Puis que ça, si j'avais été faire deux commissions, c'est comme assez... C'est encore froid, fait tellement froid, sinon, parce que c'est un changement drastique. Hier, il faisait comme la canicule, il faisait 35-36. Et là, il fait genre 8. Puis c'est un temps vraiment comme... froid, il vente, il pleut, comme un temps pour comme écouter des films avec une grosse doudou là. Je pense que ça va être mon plan ce soir. Et en parlant de plan ce soir, j'allais pour vous dire, j'avais écouté un. Et là vous allez dire, ben mon domine, t'as dit dans un de tes derniers vlogs que t'aimais pas ça. C'est parce que mes amis ont capoté sur Bridgerton. Puis moi quand ça a sorti comme 2-3 ans passés, je me rappelle. J'ai écouté comme 3 émissions pis j'ai pas embarqué dedans, tout. Mais comme, mes amis comprenaient pas. Genre, c'est toutes des choses que comme, genre, c'est une histoire d'amour. C'est comme dans le temps avec comme des grosses robes. Pis tu sais, elle cherche comme son amour pis comme l'intrigue un peu. Les bijoux, les cheveux, tu sais, comme tout comme la royauté. Ils sont comme, je comprends pas pourquoi. Pis comme... avec la personne qui écrit les lettres, genre, dans le village. C'est comme un peu comme Gossip Girl, comme... je comprends pas. En tout cas, moi, j'étais comme non. Mais là, j'essayais de penser pourquoi j'aimais pas ça. Mais j'ai écouté ces 2-3 épisodes-là, puis je pense que comme je faisais quelque chose en même temps. Je pense que j'étais comme sur mon iPad, ou comme... je faisais des affaires, puis j'étais pas 100% attentive, peut-être. J'ai pas d'autre option. Mais là, vu que la troisième bestie a commencé le spin, j'étais comme, regarde, on va faire un deal. Tu commences le spin, je commence Bridgerton. Là, j'étais comme, j'écoute pas plus que 3 épisodes. Et finalement, la gang, j'adore. Comme, j'adore. Je veux pas arrêter de l'écouter. Je pense que je suis rendue à la 4e. Puis là, il y a comme de la tension entre Daphné et Simon. Et je capote. Simon. Donc, c'est ça. Le Duke. Je capote. Comme moi, j'ai hâte le prince en va en Russie. J'ai hâte de savoir c'est qui envoie comme les messages dans le village. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte que Daphné et le Duke s'aiment. J'ai hâte de tout. Donc, c'est ça. Je reviens sur ma parole. Et sur ce, je vais vous faire un petit haul d'épicerie. Donc, la gang, l'été rime avec fraises, rime avec, c'est pas encore le temps des fraises ici, là, mais ça rime avec dessert de fraises que j'adore. Puis, ce soir, on mange du crabe. Donc, ça va être non. C'est comme un souper de soirée d'été dans une température d'hiver, à peu près. Mais on va emporter de l'été à nous. J'adore, tu sais, ces petits pains-là, là, comme ça, là, comme éponge. Pas éponge, là, mais... Marianne. Des petites coupes, en tout cas, là, la vanille. Là, je pense que vous avez peut-être déjà vu ça dans vos épiceries, mais je mets ça. Ensuite, un peu de sirop d'érable.
Ensuite, du Cool Whip. Des petites fraises coupées. Et un peu d'eau, sirop d'érable. Et c'est delicious. C'est un petit dessert rapide, facile, quand il genre, c'est comme des belles grosses journées de chaleur, là. J'adore. Des champignons pour des petites petites pizzas. Ensuite, la trempette là, on l'aime trop, puis Francis l'a clippé. Donc, il l'a dévoré tout rond cette semaine avec des carottes. Sinon, j'ai pris du fromage halloumi parce que demain, j'aimerais faire des steak jokes. Des avocats parce que demain, j'aimerais aussi manger des toasts à l'avocat. Ensuite, ma grande chum, nos collations post-spin, c'est des compotes de pas. Et moi, ma grande chum est diététiste. Et quand ma grande chum me dit quelque chose, je l'écoute et je n'écoute pas tout ce que vous voyez sur Internet. La gang, on peut-tu prendre une petite parenthèse? Je veux pas m'enligner là-dedans. Mais c'est que, il y a du monde qui donne des conseils que le monde écoute, qu'il ne devrait pas nécessairement écouter. Pourquoi vous écoutez, en tout cas, ok, laisse faire, je reprends mes mots, je pars pas ce débat-là, mais je suis certaine que vous avez déjà vu quelqu'un dans vos entourages, comme, tu sais, là, je parle de moi, ben, ça peut être n'importe qui, genre, donner des conseils de nutrition, de, hey, ça, c'est bon, ça, faut faire ça, tu sais. Tu sais, tu peux te dire des petites affaires, comme, entre toi et tes amis, là, mais genre, comme, fais pas une scène, pis comme... que c'est la vérité absolue, là. Si vous voulez des vrais conseils, allez voir une diététiste. Ou comme une nutritionniste, je pense au Québec, c'est comme leur terme, mais comme ici, c'est les diététistes. Ils ont étudié là-dedans. Ils ont fait genre 4, 5 ans d'études. OK? Je pourrais en parler longtemps, mais je vais me calmer. Parce que, tu sais... Puis surtout, avec le temps qui arrive, je vous fais tout le temps une morale à chaque été. Puis il me semble que j'ai fait une petite... j'en ai-tu déjà fait une cet été? Je pense pas. Ben, l'été n'a pas commencé, donc j'en ai fait à plein. C'est juste que là, je commence à voir... Veuillez, veuillez, oyez, oyez! Vous voulez perdre 20 livres avant l'été? Non, c'est pas possible. Genre, l'été, c'est là. Comme, c'est quoi, genre, tu vas starver pendant 3 semaines pour perdre 20 livres cet été? C'est pas raisonnable. It's a no-no. Genre, écoutez votre corps, mangez ce que vous voulez, puis genre, faites de votre mieux. Comme, c'est pas le temps d'aller chercher de l'aide qui fait pas de sens. Allez juste chercher de l'aide des professionnels. OK, je vais arrêter. Je m'ai peut-être emportée, c'est juste que... Tout ça pour dire que, après que vous faites un sport, c'est bon, mangez de la compote de pomme. OK? Je vous aime, juste du love. Mais, elle avait cette sorte-là, puis moi j'ai fait goûter une sorte au, c'est les Go-Go Squeeze. It's very good. Mais ouais, moi je lui ai fait goûter les Go-Go Squeeze hier, je pense. C'était genre une saveur de limonade. J'ai oublié de lui demander si elle avait aimé ça. Mais elle avait tropical parce que ça avait l'air comme noob. Pomme, mangue et goyave. C'est comme funky. Puis, même à l'école, des fois, comme quand j'oublie d'apporter une collation, j'ai tout le temps une dans mon sac. C'est comme une bonne petite collation, genre, qui comme te tient à aller, là. Sinon, de la pâte à pizza. Sinon, on a aussi des oignons verts. Comme ça, je pourrais avoir un jardin d'oignons verts dans ma cour. Et là, je sais que je peux en faire pousser dans l'eau, là. J'en ai déjà fait, c'est rien que, comme, ça pousse pas assez vite. Moi, j'en mets dans tous mes plats. J'ai acheté juste une demi. Genre un petit demi cantaloupe Francis parce que j'en avais acheté comme 2 gros cette semaine. Je les ai toutes clippées, mais là, je trouve ça mignon avec des trésors. Et ensuite, pour manger une pizza pizza, j'ai pris la salade comme ça, Taylor Farms, Sud-Ouest. C'est comme genre la même marque que comme les pickles, tout ça. Quand même super bonne. J'ai pris une surprise pour mon homme. Il va tellement être content. Ce soir, je vais le surprendre. On va sûrement écouter un film, genre, dans la chambre ou peu importe, là. Et je vais le surprendre. Je vais dire, ferme tes yeux. J'ai une surprise pour toi. Fais-moi confiance. Et je vais lui montrer nos sucres préférés. C'est les meilleurs sucres de l'univers. Pomme et caramel. On peut vraiment pas les trouver partout, mais moi, je les trouve chez Frenette. Sinon,
Pour les gens qui sont pas du coin, c'est une épicerie de chez nous. Essayez pas de trouver ça à Québec. Sinon, des pepperoni. C'est toujours le premier sac. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, j'adore ces galettes de riz. Galettes de riz au caramel chocolat. Des fois, comme Francis et moi, on est tellement pareils qu'on mange du salé, comme le souper, exemple. Après, on a vraiment besoin d'un petit sucré. Mais on dirait qu'on a de la misère à finir sur du sucré. On aime quand même avoir une mini goutte de salé après. On est comme comique. Mais un petit salé, genre vite fait après le souper. J'aime ça avoir une petite galette de riz. Nom nom. Et des bananes. Des bananes. nouveau terme. Ensuite, j'ai pris une salade de pâtes comme ça pour ce soir parce qu'on mange du crabe. J'adore. Des pains comme ça à Steakson. Ensuite, nous avons du feta pour... Pourquoi mon feta? Pour mes toasts à l'avocat ou pour cette semaine. Et de la viande slash fondue slash Steakson. Donc, c'est tout pour la mini épicerie de genre de la fin de semaine. Là, pour les repas de la fin de semaine. Puis, ça va être tout pas mal, je pense, pour mon weekly vlog, la gang. Donc, je crois que je vais conclure ça ici. Si je vous montre des petits bouts, ça sera avec de la petite musique. Ou peut-être pas. Donc, je vous laisse. Merci d'avoir été avec moi encore pour un weekly vlog. Et on se retrouve demain. Ben, pas demain, mais je veux dire, moi, je vais commencer ma petite routine de mon weekend vlog. Et c'est ça, il me semble que cette semaine, c'était quand même une belle semaine. J'ai quand même... fait des beaux petits plans, j'ai comme été souvent au spin. It was a good spin week. Et ouais, je m'ai quand même poussé un petit peu, mais comme je m'ai pas poussé comme à me faire mal, comme juste en cause que c'est ça, c'était le temps du mois, c'était mon dos d'habitude, ça fait plus comme fait plus mal ce temps-là, mais vraiment pas. J'étais comme contente, j'étais comme j'avais hâte de voir là, vu que je spinais un petit peu plus qu'à l'habitude, puis non, vraiment. Juste tantôt, quand je faisais mon ménage, après ma journée au travail, j'étais comme, ok, je vais prendre un 2, je vais prendre un petit moment. On va relaxer tout ça. Mais, ouais, non. Donc, vraiment belle semaine. Puis, c'est ça. Donc, je vous laisse, la gang. Je vous souhaite un... Ça va probablement être en ligne dimanche ou lundi. Donc, je vous souhaite une belle semaine à votre tour. Puis, j'aimerais peut-être avoir un petit highlight qui s'est passé dans votre semaine. Donc, un petit moment de bonheur, un petit moment de joie. Un petit moment, un accomplissement, quelque chose que vous avez fait de nouveau. J'aimerais savoir, c'est ça, une petite chose de votre semaine ou de votre fin de semaine. Et nous, on se voit très bientôt dans un prochain vlog. Bye la gang!